Oh, salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Je suis revenu vous faire comme je vous avais promis avant. Ceci est la continuité de la session blues qu'on avait commencé. Alors, si vous vous rappelez très bien, on avait parlé d'une petite théorie. Alors, la théorie a trois notes à la base qui sont le 1, le 4 et le 5. Et ce sont tous des 1, 4, 5 dominantes. Des quintes, c'est-à-dire septième, et non pas majeur septième, ne pas faire une grande nuance. Il y a une grande nuance entre les deux. La deuxième est que toutes les formes ou bien les suites d'accords qu'on a utilisées, ils ont non seulement cette fondation, c'est-à-dire ces trois notes, mais aussi 12 mesures, 12 bars. Et la troisième, c'est que les deux dernières mesures sont les turnaround. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire le three turn. On va faire le three turn, le three turn sub blues. Je vais vous donner les accords. Il y a un fa, il y a un si, un fa, do et un fa septième que je fais comme ça moi, des fois. Comme ça. C'est un peu difficile avec cette guitare parce que derrière le CD, des fois ça me bloque, mais alors, ce serait plus confortable comme ça par exemple. Fa, si bémol, il y a ceci qu'on peut faire comme un si, même mineur, septième, cinquième, ou bien comme ça, diminué. Grande différence, hein? Ici aussi. Y a un mi bémol septième, un si bémol septième, il y a le si bémol neuvième aussi, septième neuvième, il y a un sol septième, un do, un la mineur, un ré. Je vais vous le donner. 1, 2, 3 et 4. 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pardon, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je suis désolé parce que je compte et je joue en même temps, c'est pas très automatique. Alors, c'est le Triton Sub Blues. Et puis il y a le Bird Blues Changes. Alors là, accrochez-vous, hein, parce que c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps et enfin, il y a beaucoup, 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 beaucoup de changements. Chaque mesure fait à deux accords. Fa majeur septième. Alors, majeur, je dis bien. Il y a un. Alors, un mi. Septième bémol cinquième, un la neuvième septième, un ré mineur, un sol septième, un do mineur septième, un fa septième, un si bémol qui devient un si
bémol mineur. Alors. Mi. Bémol septième. La mineur. Ré mineur. La bémol mineur. Ré bémol mineur. Sol septième. Do septième. Fa. Ré septième. Do septième. Do septième. Voilà. Même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1. C'est mauvais depuis le début. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, Bird Blues Changes. Alors, moi, je vous ai donné les accords. C'est à vous de compter, hein, de me dire c'est quoi le 1, le 2. Ça pourrait être un exercice assez intéressant. À vous de faire l'exercice. Et comme ça, ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses et de mettre en valeur beaucoup de choses. Je vous quitte avec un Three Tones of Blues. Salam alaikum, voilà. Des lignes qui ne sont pas pensées, hein. Comme ça sur le tas, allez dans le tas, allez ce que vous voulez dans le tas, comme ça et comme ça. Non, alors, deux choses aujourd'hui, le Three Tones of Blues, but Blues Changes, à vous d'analyser le truc. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais essayer de vous faire la première version du blues qu'on avait fait. C'était... Ah non.
version de blues. Je vais montrer des quelques genre. Sur le do, genre, des trucs comme ça pour embellir le jeu, inshallah. Et voilà, c'est assalamu alaikum, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée.